Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, je me trouve pas au pied de la Trump Tower, mais tout simplement à la gare Montparnasse à Paris. Je vais me rendre au CIVAL, donc à Angers, le salon interprofessionnel vitivinicole, arboritier et fruitier, donc avec la coopérative Marché de Fragrant-Pin. Et je voulais vous parler de quelques petites choses donc au niveau des dernières nouvelles. Alors déjà, n'hésitez pas à répondre au sondage si vous ne l'avez pas fait. Il reste encore un peu de temps, je voulais jusqu'à la fin de la semaine, et après je pourrais en tirer un peu les conclusions. Donc allez-y, je vous mets le contact et puis le lien ici dans la description. Ensuite, pour vous dire que vendredi, il y a un forum des opportunités organisé sur Arras, donc par la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais, qui peut être intéressant, je pense, pour des producteurs qui cherchent à se diversifier. Il y aura des sociétés, des structures voilà, qui cherchent des producteurs, et donc pourquoi pas diversifier un peu ses productions. Je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, au niveau des nouvelles, donc au niveau du défi communication, si vous ne l'avez pas vu, il y a dans le numéro d'entraide de janvier, donc Entraide magazine plutôt spécialisé dans l'organisation de groupes et particulièrement l'écuma. Donc vous pouvez voir, on est les trois youtubeurs donc avec David et Gilles à être présentés donc dans ce magazine. Et bon, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, dernière chose. Voilà, je cherche, je fais une pause. Bon, il fallait que je bouge, sinon j'allais louper mon train, donc ça aurait été embêtant. Et donc, pour vous dire une dernière chose, la chaîne donc Agriculteur Bio reprend donc à partir de vendredi. Je pense que vous aurez une vidéo aussi spécifique sur le CIVAL. Et vous verrez apparaître sûrement le logo Agence de l'eau et puis Agriculture Défi Ecophyto, pardon. Donc sur la chaîne, étant donné que j'ai un arrangement par rapport à ça pour sponsoriser quelques vidéos, et donc j'utiliserai un peu ça pour essayer d'enrichir mes vidéos et mettre quelques informations qui vous permettront donc d'avoir, j'espère que le bruit n'est pas trop fort, mais quelques informations qui vous permettront d'économiser à la fois du produit et d'être plus en respect avec l'environnement. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vais devoir prendre mon train, j'espère que le son n'était pas trop mauvais. Là j'ai fait avec le téléphone, mais bon, voilà, vous me mettrez un petit commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Alors je vous dis en tout cas à vendredi pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut !